Shogo Yahagi est un jeune homme de 18 ans, loubard et dragueur, qui entre en possession d'une étrange moto lourdement armée nommée Garland, et qui devient alors recherché avec acharnement par l'armée. C'est en tentant d'échapper à cette dernière que Shogo tombe sur Bahamut, un méga ordinateur qui lui apprend la terrible vérité sur le monde qui l'entoure. Le Tokyo où il vit n'est qu'une réalité virtuelle, une reproduction du Tokyo des années 80, stationnant en orbite dans un gigantesque satellite répondant au nom de Megazone, la majeure partie de l'humanité ayant disparu lors d'une guerre dévastatrice il y a 500 ans. Oui, de manière assez étrange, l'épisode 22 de Tall Metal et Boulons est consacré à Megazone 23. Mais comme j'ai débuté au numéro 0, bah on est bien au 23e épisode en fait. Megazone 23 est un animé assez important dans l'histoire de l'animation japonaise, à défaut d'être un incontournable en tant que tel, même si perso j'ai trouvé le premier épisode très bon, les suites par contre... Il ne s'agit pas du premier OVA de l'histoire, ce titre revenant à Dalos en 1983. Néanmoins, ce fut le premier à connaître un véritable succès, et même plus que cela, puisque si mes sources sont exactes, le premier épisode n'est rien de moins que l'OVA le plus vendu de tous les temps, avec environ 50 000 exemplaires écoulés selon Wikipédia Japon. Ouais, c'est tout. 50 000, c'est le record. Ça donne une idée de ce qu'était le marché des OVA et pourquoi elles coûtaient si cher. Je parle au passé car il n'en sort presque plus depuis une vingtaine d'années. C'est un format mort. Initialement, cela aurait dû être une série télé diffusée à la suite de Mospida. Son premier nom était Omega City 23, puis Vanity City, puis Omega Zone 23, avant enfin de prendre son titre définitif de Megazone 23. Anecdote amusante, pourquoi est-on passé de Omega à Mega? Ben en fait, le staff avait peur qu'il y ait des soucis avec Omega, le fabricant de montres suisses. Quant au chiffre 23, il fait référence au nombre d'arrondissements de Tokyo. Oui, ça va chercher loin. Mais les sponsors n'en ayant pas voulu, le studio a alors décidé de tenter sa chance sous le format vidéo. Une partie du staff de Macross est présent sur Megazone 23, dont Haruhiko Mikimoto. On a aussi une idole, mais virtuelle, 20 ans avant Hatsune Miku, en la personne de Eve, et le fait que les personnages vivent dans un vaisseau géant rappellera Macross. Mais bon, à part ça niveau histoire, cet animé n'a pas grand chose à voir avec ce dernier. Megazone 23 est l'archétype même de l'OVA 80s, entre guillemets classique, à savoir de l'ASF et ou du fantastique, une réalisation soignée, voire très soignée, un chara-design avec des persos qui ne ressemblent pas à des gamins anorexiques, enfin là en l'occurrence, pour les persos féminins du premier épisode, c'est raté, dommage. Une bande son rythmée, de la violence, voire ultra-violence, et du sexe. Bref, un animé d'action pour ados, enfin, jeunes adultes, qui voulaient voir autre chose que les dessins animés classiques de la télévision. Même si des titres comme Gundam ou Ideon n'étaient clairement pas pour enfants, il y avait de nombreuses barrières qui sont ici largement dépassées. On aura droit à une scène de sexe entre les deux héros, mais ça va, reste gentillé. Pour cette fois, on y reviendra. Toutefois, cette OVA a carrément été diffusée au cinéma et la scène fut alors coupée. Si vous avez écouté le résumé du début, vous vous serez sans doute écrié « Matrix !» Oui, certes, l'influence est plus qu'évidente. Les frères Wachowski ont forcément vu Megazone 23, dont ils se sont largement inspirés. Pourquoi avoir choisi le Japon du début-milieu des années 80 comme base? Eh bien, tout simplement, parce qu'il est considéré comme la période la plus heureuse qu'ait connue l'humanité. Ce que je peux tout à fait concevoir. Quant à la question, et les autres pays alors, ils deviennent quoi? L'explication est elle aussi donnée dans l'animé. Je vous laisserai aller la voir par vous-même. Le seul vrai défaut à mon sens concerne la fin, trop abrupte et trop ouverte. Alors, oui, bien sûr, il y a un deuxième épisode, mais il faut bien savoir qu'il n'était pas prévu à l'origine. C'est le succès inattendu du premier qui a donné lieu à une suite l'année suivante. Et là, bon sang de bois, quel changement! Graphiquement, c'est bien plus soigné, mais le chara-design a été modifié à un point qui rend les persos totalement méconnaissables. Mais alors vraiment? Si vous ne savez pas que ce sont les mêmes, vous ne pouvez pas le deviner. A noter qu'une partie des doubleurs a également changé au passage elle aussi. Quant à l'histoire, si elle reprend 6 mois après là où elle s'était arrêtée, force est de reconnaître que c'est pas super convaincant. Même si au moins on bénéficie cette fois d'une vraie conclusion. Ce qui m'a le plus surpris dans ce deuxième épisode,
C'est sans doute la scène de sexe. Si celle du premier épisode passait encore, celle-là, bah, elle n'aurait pas déparé dans un animé porno. Un animé à pas mettre entre toutes les mains, et d'ailleurs la scène en question fut supprimée lors de l'édition vidéo américaine. Et Megazone 23 aurait vraiment dû s'arrêter là. Sauf que, à pas du gain aidant je suppose, en 1989 sort la troisième partie, qui est en deux épisodes séparés, mais qui se déroule 500 ans après. Donc bien sûr, exit tous les persos de la première période. Ou presque. Honnêtement, ça n'apporte rien. En 2020, le célèbre mecha designer Masami Obari a révélé sur Twitter qu'une quatrième partie était prévue, pour laquelle il aurait dû également être réalisateur. Mais, travaillant déjà sur le film de Fatal Fury, il ne pouvait mener ses deux projets de front, et Megazone 23 Part 4 fut abandonné. Je pense que c'est mieux ainsi. Notons aussi qu'un jeu est sorti sur PS3 en 2007, soit 18 ans après la fin de la trilogie, qui se situe lui chronologiquement 20 ans après la fin du 2, et met en scène le fils de Shogo. Par curiosité, j'aimerais y jeter un coup d'œil, mais j'ai peur d'être très déçu. Enfin, en 2017, un projet de remake nommé Megazone Shin fut proposé en crowdfunding, et a atteint de justesse son objectif, soit 10 millions d'yens, ce qui me semble quand même plutôt bas. Mais on n'a plus de nouvelles depuis. Deux anecdotes pour finir. On trouve des caméos, des Silver Hawks et des Cosmo Cats. Alors peut-être qu'une partie du staff a travaillé sur ces deux séries, qui étaient des coproductions nippo-américaines. Les Américains ont réutilisé un certain nombre de séquences du premier OVA pour réaliser le premier film de Robotech. Autant dire que le résultat est plutôt mitigé. En résumé, Megazone 23, bon, tout du moins le premier épisode, est à voir pour sa culture japanimesque, et même plus simplement car il s'agit d'un anime bien fichu, et qui est l'illustration parfaite de ce qu'était l'âge d'or de l'animation japonaise. のタブーを手にしてしまった矢作翔吾彼の周りで大都会はその美しい装いを脱ぎ捨て暗黒の魔性をさらけ出すバイトは六本木よ決めたら鏡バルでいつの日にもこれが現実か場所は東京時は現代かいやメガゾーン2-3噛み込んでもらおうか今がどういう時期か何も知らんくせに みんな騙されてやがるメガゾーン2-3今衝撃のパフォー